Une écriture sainte a été envoyée à l'humanité il y a 14 siècles. Le Saint-Coran. Depuis le jour de sa révélation jusqu'au jour du jugement, il restera le seul et dernier guide pour l'humanité. Il y a d'innombrables preuves indiquant que le Coran est la parole de Dieu. Dans le premier film, nous avons étudié les preuves qui sont des miracles scientifiques du Coran. Dans ce film, nous allons continuer à examiner ces miracles scientifiques qui prouvent que le Coran est la révélation de Dieu. Nous allons voir qu'un grand nombre de faits scientifiques que nous n'avons été capables d'établir qu'en utilisant la technologie moderne, depuis les couches de la Terre jusqu'à la dérive des continents, et depuis le sexe d'un bébé aux particules subatomiques, ont été révélés dans notre livre saint il y a 14 siècles. La théorie du Big Bang, qui a été acceptée à l'unanimité par le monde scientifique au XXe siècle, prouve que l'univers est apparu dans une gigantesque explosion. Un verset du Coran a révélé ce fait il y a 1400 ans. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Le mot ratk, qui est traduit par former une masse compacte, signifie en arabe mélanger, fusionner dans le langage courant. Le verbe séparer dans la phrase nous les avons séparés correspond au verbe arabe fataka et implique le désassemblage ou la destruction de la structure des éléments unis les uns aux autres. Un fait scientifique très important est décrit ici, la séparation des cieux et de la terre. Curieusement, aux premiers instants du Big Bang, la matière tout entière de l'univers était concentrée en un seul point. Les cieux et la terre, qui n'étaient pas encore créés, se trouvaient dans cet unique point. Puis ce point explosa violemment, en forçant la matière à se désunir, tout comme cela est décrit dans le verset. Les gens vivant il y a 14 siècles ne possédaient bien sûr pas les connaissances scientifiques ou la technologie leur permettant de savoir que la Terre, le Soleil, la Lune et les étoiles, et tout ce qu'ils voient ou tout ce qui est invisible dans le ciel, étaient initialement unis en un seul point. Dans le Coran, Dieu attire notre attention à un attribut très important du ciel. Nous avons fait du ciel une voûte protégée, et pourtant, il se détourne de nos signes. La nature protectrice du ciel, révélée dans le Coran, n'a été découverte qu'à notre époque. L'atmosphère entourant la Terre nous protège de dangers mortels. En détruisant de nombreux météores, gros et petits, lorsqu'ils s'approchent de la Terre, elle les empêche de tomber sur Terre et de blesser les êtres vivants. Elle filtre les rayons lumineux venant de l'espace qui sont nuisibles aux êtres vivants.
Elle protège également la Terre du froid glacial de l'espace, dont la température est d'environ moins 270 degrés. En plus de l'atmosphère, il existe une autre couche formée par le champ magnétique de la Terre, qui sert de bouclier contre les radiations nuisibles qui menacent notre planète. Les ceintures de Van Allen. Grâce aux ceintures de Van Allen, les énormes émissions d'énergie appelées éruptions solaires qui surviennent fréquemment à la surface du Soleil ne détruisent pas la vie sur Terre. En bref, un système parfait est à l'œuvre bien au-dessus de la Terre. Il entoure notre monde et le protège contre les menaces extérieures. Il est frappant de voir que cela a été révélé il y a 1400 ans dans le Coran. Un autre verset traitant de la même information indique: c'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit. Ici, le ciel est décrit par le terme arabe al-sama bina. En même temps que le sens de dôme ou de toit, ce mot possède une autre signification. Il décrit aussi un type d'abri ressemblant à une tente utilisée par les bédouins arabes. En décrivant le ciel comme une structure en forme de tente, le Coran souligne que c'est une forme de protection contre les éléments extérieurs. C'est la protection que l'atmosphère offre contre les météores et les rayons cosmiques. Tous ces faits montrent que cette information qui a été obtenue par l'humanité à la suite de longues recherches scientifiques a été communiquée dans le Coran il y a 1400 ans, quand il n'y avait aucun engin spatial ou télescope géant. La Terre est composée de 7 couches. La première couche est l'hydrosphère, qui englobe toutes les eaux de la surface terrestre. La seconde couche, la lithosphère, est une strate dure formant la couche supérieure de la Terre. Son épaisseur moyenne est de 80 km. Elle est plus froide et dure que les autres strates et forme ainsi l'enveloppe de la Terre. La troisième couche est l'asthénosphère. Elle est composée de substances chaudes, semi-solides et fondues. Les quatrième et cinquième couches, respectivement le manteau supérieur et le manteau inférieur, forment une région à haute température épaisse d'environ 2900 km, composée de roches semi-solides. Le noyau de la Terre se compose de deux parties. L'une est le noyau externe liquide, épais de 2200 km, l'autre est le noyau interne solide, épais de 1250 km, les sixième et septième couches. Le fait que la Terre se compose de telles strates n'est connu que suite à de longues recherches utilisant la technologie du XXe siècle. Pourtant, Dieu nous a communiqué cette information dans le Coran, qu'il a rempli de miracles scientifiques il y a 14 siècles. C'est Dieu qui a créé sept cieux et autant de terres. Entre eux, son commandement descend, afin que vous sachiez que Dieu est en vérité omnipotent et que Dieu a embrassé toutes choses de son savoir.
C'est au début du XXe siècle qu'un scientifique allemand, Alfred Wegener, proposa la thèse que les continents de la Terre étaient attachés les uns aux autres quand elle se forma, puis qu'ils dérivèrent dans différentes directions, les séparant ainsi au fur et à mesure de leur déplacement. Cette théorie de Wegener a été prouvée dans les années 1980. On trouva que les six plaques majeures et plusieurs petites qui forment la croûte et la partie supérieure du manteau se déplaçaient constamment. Selon la théorie appelée tectonique des plaques, ces plaques se déplacent sur Terre en transportant avec elles les continents et le plancher océanique. Ce déplacement a été mesuré de 1 à 5 cm par an. Par conséquent, cela produit des changements lents dans la géographie de la Terre. Chaque année, par exemple, l'océan Atlantique devient légèrement plus large. La science n'a découvert cela que très récemment. Le fait que cela a été révélé il y a 14 siècles dans le Coran est sans aucun doute un autre de ces miracles. Et tu verras les montagnes, tu les crois figées, alors qu'elles passent comme des nuages. Dieu fait référence au mouvement des montagnes comme une dérive dans un verset du Coran. Aujourd'hui, les scientifiques modernes utilisent aussi le terme de dérive des continents pour ce mouvement. C'est sans aucun doute un grand miracle que ce fait scientifique ait été révélé au 7e siècle, quand les conceptions de la nature de l'univers étaient fondées sur les superstitions et les mythes. C'est une autre preuve très importante montrant que le Coran est la parole de Dieu. La couche externe de l'atmosphère de la Terre est composée d'un grand nombre de gaz et particulièrement d'oxygène. Cependant, les explosions d'énergie à la surface du Soleil provoquent les dispersions de certains de ces gaz dans l'espace. Les chercheurs ont obtenu la première preuve concrète de cela grâce aux navettes spatiales de la NASA. On observa pour la première fois le fait que la Terre subit une perte de matière depuis ses couches externes les 24 et 25 septembre 1998. En d'autres mots, 14 siècles après que cette information fut communiquée dans le Coran. Ne voit-il pas que nous frappons la Terre et que nous la réduisons de tous côtés? Ne voit-il pas que nous venons à la Terre, que nous réduisons de tous côtés? Ces versets peuvent aussi faire référence à des pertes de terre sous un autre aspect. Aujourd'hui, les calottes polaires fondent et le niveau de l'eau dans les océans augmente. L'expression « nous la réduisons de tous côtés » dans les versets peut désigner les zones côtières qui sont recouvertes par l'eau. Bien sûr, Dieu sait mieux. Le physicien britannique Paul Dirac, qui remporta le prix Nobel de physique en 1933, fit une découverte très importante. Cette découverte, connue sous le nom de parité, dévoila la dualité connue comme la matière et l'antimatière. L'antimatière a des caractéristiques opposées à celles de la matière. Par exemple, contrairement à la matière, les antiélectrons ont des charges électriques positives et les antiprotons des charges négatives.
Personne ne connaissait ce fait scientifique quand le Saint-Coran fut révélé il y a 14 siècles de cela. Pourtant, il est clairement révélé dans ces versets que toutes les choses de l'univers ont été créées par Père. Louange à celui qui a créé tous les couples de ce que la terre fait pousser, d'eux-mêmes et de ce qu'ils ne savent pas. Jusqu'il y a encore 20 ans, on croyait que les plus petites particules étaient les protons et les neutrons qui constituent l'atome. Mais les avancées de la science et de la technologie ont réfuté cela. On a réalisé que l'atome, considéré comme la plus petite unité de matière, pouvait être divisé en composants encore plus petits. Une branche spécialisée de la physique apparut afin d'étudier ces sous-particules et leur comportement particulier. La physique des particules. Les recherches de la physique des particules ont révélé que les protons et les neutrons qui composent les atomes sont en fait composés de sous-particules appelées quarks. Ce fait n'est apparu qu'au cours du dernier siècle, mais il fut révélé dans le Coran. Il, mon Seigneur, est le connaisseur de l'inconnaissable. Rien ne lui échappe, fût-il du poids d'un atome dans les cieux comme sur la terre. Et rien n'existe de plus petit ni de plus grand qui ne soit inscrit dans un livre explicite. Dans un autre verset, Dieu nous dit « Il n'échappe à ton Seigneur ni le poids d'un atome sur terre ou dans le ciel, ni un poids plus petit ou plus grand qui ne soit déjà inscrit dans un livre évident. » Ces versets font référence à l'atome et à des particules encore plus petites. Le fait qu'il existe même des sous-unités plus petites a été communiqué à l'humanité dans le Coran il y a 14 siècles. Le XXe siècle a vu de nombreuses grandes découvertes concernant les phénomènes célestes dans l'univers. L'une d'entre elles est le trou noir. Quand une étoile a consommé tout son carburant, elle s'effondre sur elle-même et se transforme au final en une région de volume nul où la densité est infinie et où règne un champ magnétique immensément puissant. Ceci est appelé un trou noir. Nous ne sommes pas capables de voir les trous noirs, même avec le télescope le plus puissant, car leur force gravitationnelle est si puissante que même la lumière ne peut en réchapper. Leur présence, cependant, peut être perçue au moyen de l'effet magnétique qu'ils exercent sur leurs alentours. Dans le Coran, Dieu attire l'attention sur ce sujet de cette manière, en jurant sur la position des étoiles. Je jure par la position des étoiles dans le firmament, et c'est vraiment un serment solennel si vous saviez. Toutes les étoiles massives exercent des champs gravitationnels dans l'espace. Un trou noir augmente sans cesse sa densité et donc son attraction gravitationnelle, en attirant toutes les choses qui passent près de lui. En un sens, cela ressemble à un trou dans l'espace dans lequel tout ce qui se trouve aux alentours est attiré.
Cette information du Coran concernant les étoiles est aussi remarquable. Par le ciel et par le Tariq, qui te dira ce qu'est le Tariq? C'est l'étoile perçant les ténèbres. L'électricité. C'est une des plus grandes découvertes de l'histoire du monde. Elle illumine le monde entier au moyen d'ampoules. En fait, cette grande découverte était notée dans les versets du Coran il y a 14 siècles de cela. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal, et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière. Dieu guide vers sa lumière qui il veut. Dieu propose aux hommes des paraboles, et Dieu est omniscient. Ce verset fait référence à quelque chose qui émet de la lumière. Il apparaît que ce corps fait miraculeusement référence aux ampoules utilisées pratiquement partout sur Terre à notre époque. Une ampoule est un corps qui brille comme une étoile et qui émet de la lumière. À l'intérieur du verre, et cela est entièrement conforme à la description du verset. Le fait que le carburant utilisé par ce corps lumineux n'appartient ni à l'Orient ni à l'Occident peut être une indication qu'il n'a aucune dimension physique. L'électricité, le carburant de l'ampoule, est en réalité dans une dimension d'énergie et non dans une dimension matérielle. Contrairement aux lampes à huile et au gaz, les ampoules brûlent sans feu, ce qui est en accord avec la description fournie dans le verset. À la lumière de toutes ces informations, on peut en déduire que ces versets font référence aux ampoules, une invention des plus importantes. Bien sûr. Dieu sait mieux. Dans un verset du Coran, la caractéristique de fécondation des vents ainsi que la formation conséquente de pluie sont mentionnées ainsi. Et nous envoyons les vents fécondants, et nous faisons alors descendre du ciel une eau dont nous vous abreuvons, et que vous n'êtes pas en mesure de conserver. Ce fait indiqué dans ce verset n'était sûrement pas connu avant le début du XXe siècle. Jusqu'alors, la seule relation connue entre le vent et la pluie était que c'était le vent qui dirigeait les nuages. Mais les découvertes météorologiques modernes ont démontré le rôle fécondant du vent dans la formation de la pluie. Selon ces découvertes, à la surface des océans et des mers, un grand nombre de bulles d'air se forment à cause de l'écume. Au moment où ces bulles éclatent, des milliers de particules minuscules, avec un diamètre d'un millième de millimètre, sont expulsées dans l'air. Ces particules, appelées aérosols, se mélangent avec la poussière transportée par le vent depuis la Terre et elles sont portées jusqu'aux couches supérieures de l'atmosphère. Ces particules portées en altitude par les vents rentrent en contact avec la vapeur d'eau s'y trouvant. La vapeur d'eau se condense autour de ces particules et se transforme en gouttes d'eau. Ces gouttes d'eau se rassemblent et forment des nuages, et ensuite, elles tombent sur Terre
sous forme de pluie. Pour résumer, la formation de pluie survient quand les vents fécondent les nuages avec les aérosols. De la même manière que ce qui a été révélé dans le Coran, à une époque où les hommes ne connaissaient pratiquement rien des phénomènes naturels. Des recherches menées ces dernières années ont révélé que la zone préfrontale, située dans la partie frontale du crâne, est responsable de la gestion de fonctions particulières du cerveau. Cette zone du cerveau est également responsable de la planification, de la motivation et du déclenchement des comportements bons et honteux, ainsi que du fait que nous disons des mensonges ou la vérité. Un livre intitulé « Essential of Anatomy and Physiology », l'essentiel de l'anatomie et de la physiologie, indique en relation avec son implication dans la motivation, on pense que la zone préfrontale est aussi le centre fonctionnel pour les agressions. Une information similaire à ces faits, découvert par les scientifiques ces 60 dernières années, a également été communiquée dans le Coran il y a 14 siècles. Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet d'un menteur, d'un pêcheur. L'expression « le toupet d'un menteur, d'un pêcheur » dans ce verset est assez remarquable. Cela démontre un parallèle proche des activités menées dans la partie frontale du cerveau. Qu'est-ce qui détermine le sexe d'un enfant à naître? Selon le Coran, la réponse réside chez le père. La masculinité ou la féminité est créée à partir d'une goutte de sperme quand elle est éjaculée. Le sexe est déterminé par les spermatozoïdes de l'homme et la femme n'a aucun rôle dans ce processus. Les versets qui nous parlent de cela sont les suivants. C'est lui qui a créé les deux éléments de couple, le mâle et la femelle, d'une goutte de sperme quand elle est éjaculée. N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée, ensuite une adhérence? Puis Dieu l'a créée et formée harmonieusement. Puis on a fait alors les deux éléments de couple, le mâle et la femelle. Les disciplines en développement de la génétique et de la biologie moléculaire ont validé scientifiquement la précision de cette information donnée dans le Coran. Le sexe d'un bébé est déterminé par le chromosome de l'homme, X ou Y, qui s'unit avec l'ovule de la femme. Rien de tout cela n'était connu jusqu'à la découverte des gènes au XXe siècle. En réalité, dans de nombreuses cultures, on pensait que le sexe d'un bébé était déterminé par la femme. C'est pourquoi les femmes étaient blâmées quand elles donnaient naissance à des filles. 14 siècles avec la découverte des gènes humains, pourtant le Coran révélait une information qui réfutait cette superstition, en indiquant que l'origine du sexe reposait non pas chez la femme, mais dans le sperme tiré de l'homme. Ceci parce que le Coran est la parole de Dieu.
le spermatozoïde de l'homme s'unit avec l'ovule de la femme, l'essence du bébé à naître est formée. Cette cellule unique est connue sous le nom de zygote. Elle commencera immédiatement à se reproduire en se divisant, et elle deviendra finalement un morceau de chair appelé embryon. L'embryon, cependant, ne passe pas sa période de développement dans le vide. Il s'accroche à l'utérus, comme des racines se fixent fermement à la terre par leur vrille. À travers ce lien, il peut obtenir les substances essentielles à son développement depuis le corps de la mère. Ici, un miracle important du Coran est révélé. En parlant de l'embryon qui se développe dans l'utérus de la mère, Dieu utilise le mot « alaq » dans le Coran. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence, alaq. Lis, ton Seigneur est le très noble. La signification du mot alaq en arabe est une chose qui s'accroche à un endroit. Très certainement, l'utilisation d'un mot aussi spécifique pour désigner l'embryon se développant dans l'utérus de la mère prouve une fois de plus que le Coran est la parole de Dieu, le Seigneur de tous les mondes. Une autre information importante fournie dans les versets du Coran concerne les étapes du développement d'un être humain dans l'utérus de la mère. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Dieu, le meilleur des créateurs. Il est clairement énoncé dans ces versets que dans l'utérus de la mère, les os se développent en premier, puis les muscles se forment et les recouvrent. Jusqu'à très récemment, les embryologistes supposaient que les os et les muscles de l'embryon se développaient en même temps. Pourtant, des recherches conduites grâce aux nouveaux développements technologiques ont produit des conclusions qui correspondent exactement à ce qui est décrit dans le Coran. D'abord, le tissu cartilagineux de l'embryon s'ossifie. Puis les cellules musculaires qui sont sélectionnées dans le tissu entourant les os se rassemblent et viennent recouvrir les os. Cet événement est décrit dans une publication scientifique intitulée « Developing Human », l'humain en développement de cette façon. La forme du squelette détermine l'apparence générale de l'embryon au cours de l'étape de formation des os à la 7e semaine. Les muscles ne se développent pas au même moment, mais leur développement commence peu de temps après. Les muscles prennent position autour des os dans tout le corps et par conséquent, ils les habillent. Ainsi, les muscles prennent leur forme et leur structure bien connues. L'étape de l'habillage avec des muscles survient au cours de la 8e semaine. En bref, les étapes du développement de l'homme, comme décrites dans le Coran, sont en parfaite harmonie avec les découvertes de l'embryologie moderne. Le professeur honoraire Kate Moore, du département d'anatomie et de biologie cellulaire de l'Université de Toronto, un des plus éminents embryologistes du monde, est un de ceux qui identifia ce miracle dans le Coran. Le professeur Moore examina les versets concernant la naissance humaine et annonça ses conclusions par ces paroles. Il m'a été très agréable d'aider à clarifier les indications du Coran concernant le développement humain. Il est clair à mes yeux que ces indications doivent avoir été communiquées au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, par Dieu ou Allah, car la plupart de ses connaissances n'ont été découvertes que plusieurs siècles plus tard.
Cela prouve à mes yeux que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dû être un messager de Dieu ou Allah. Les personnes qui restent couchées dans la même position pendant de longues périodes rencontrent de sérieux problèmes de santé. À cause de la pression constante exercée sur un endroit du corps quand on ne bouge pas pendant une longue période, les vaisseaux sanguins se contractent et ils peuvent se fermer totalement. Suite à cela, l'oxygène et les autres nutriments transportés par le sang n'atteignent plus la peau et celle-ci commence à mourir. Cela provoque l'apparition de plaies sur le corps. Ces plaies sont connues sous le nom de plaies du lit ou plaies de pression. Ces plaies, qui se forment sous la peau ou les tissus, peuvent atteindre de graves dimensions si elles ne sont pas traitées. Si elles s'infectent, elles peuvent même mener à la mort. La chose la plus saine à faire, par conséquent, est de changer fréquemment la position du corps afin de réduire cette pression. Les patients qui ne peuvent se déplacer eux-mêmes reçoivent donc une attention particulière et d'autres personnes les déplacent toutes les deux heures. On a réalisé l'importance du mouvement au cours du sommeil qu'au cours du XXe siècle. Mais une information soulignant cette importance a aussi été placée dans le Coran, la parole de Dieu. Et tu les aurais cru éveillés alors qu'ils dorment. Et nous les tournons sur le côté droit et sur le côté gauche. Le verset ci-dessus fait référence aux compagnons de la caverne, lesquels restèrent endormis pendant des centaines d'années. De plus, Dieu révèle également qu'ils bougeaient leur corps à gauche et à droite pendant leur sommeil. Le fait que ces données médicales qui ont été découvertes au cours de notre propre siècle étaient notées dans le Coran est sans aucun doute un autre de ces miracles. Tout ce que nous avons vu dans les films, les miracles scientifiques du Coran, nous montre un fait évident. Le Coran est un livre qui renferme des informations qui se sont révélées et qui se révèlent vraies. Des faits concernant des sujets scientifiques, des faits que personne ne pouvait connaître à l'époque de la révélation du Coran, sont annoncés dans ces versets. Il est impossible que telles informations aient pu être connues avec le niveau de connaissances et de technologie disponible au 7e siècle en Arabie. Cela est bien sûr une preuve manifeste que le Coran ne peut être la parole d'un homme.